Avant d'ouvrir la saison du Donga, les Komoru convoquent les guerriers et les anciens. Les sorciers vont consulter les entrailles. Nous sommes réunis ici, tous ensemble. Nous sommes rassemblés pour lire notre destin. Et les 10 heures d'avenir sont avec nous. Qu'ils sacrifient les chèvres et lisent dans leurs intestins. C'est bien d'être ici. Notre pays est bon et notre dieu Touma est avec nous. Les jeunes nous demandent un donga. Mais il faut d'abord examiner les entrailles. Ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu vois? Ça a l'air bon, oui. C'est bon. Cette partie est bonne. Celle-là est bonne également. C'est bon. C'est bon, nous n'avons aucun problème. Nos frères ont été tués par les Boumi, là-bas, dans la plaine. Nous devons célébrer un rituel à la mémoire de ces morts. Nous allons célébrer un Kilanga. Le sorcier choisira l'endroit. Suivez votre bétail. Cultivez vos champs. Les Boumi sont mauvais, mais rien de mal ne nous arrivera. Les entrailles le disent. Dans les Donga, nos jeunes sont trop violents. Il faut interdire les Donga le temps qu'ils se calment. Nous perdons trop de guerriers. Les vengeances inutiles sont de plus en plus nombreuses. Nous devons combattre les Boumi, pas nous tuer entre nous. Les Donga sont trop sanglants. Ce n'est pas acceptable. Tuer un frère n'est pas dans l'esprit de notre peuple. Je ne veux pas voir davantage de morts. Nous célébrerons un Kilanga pour nos morts. Le rituel apaisera leur esprit. Tout ira bien. Je permettrai le Donga et les jeunes viendront de partout. I'm not going to be able to do that.
La polygamie est de règle chez les Surma. Un guerrier peut épouser jusqu'à 7 ou 8 femmes, mais les morts violentes sont si nombreuses que les jeunes femmes ont parfois de la peine à trouver un mari. Gravant dans sa chair les motifs de son peuple, une jeune femme exprime sa fidélité au sien. Elle honore ses ancêtres qui ont donné naissance à d'innombrables générations de Surma. De belles scarifications exaltent la féminité, embellissent le corps. Elles attirent les jeunes hommes. Pour juguler les risques d'infection, les blessures sont tamponnées avec des plantes aux vertus antiseptiques. Thank you.